à tous et bienvenue dans ce 80e épisode de Total War Warhammer 2 avec Martin. Martin ? Ouais, je suis là. Voilà, quand même. Je me demandais si je t'avais perdu. Donc on était resté au dernier épisode avec le Pop du Chaos, donc on pensait avoir finalement détruit, mais finalement ben, on l'a pas fait. On avait détruit la faction du Chaos, mais il fallait bien détruire toutes les factions du Chaos avec les Hardes, avec les serviteurs pour ne pas voir la marée maudite réapparaître. Ils ont réapparu, nous on a notre dynastie qui s'est recherchée, donc on va aller hop la faire tout de suite. On va au palais du calife, on va recruter notre seigneur. Et on va en prendre notre roi Sekara robuste, qui est niveau 7 déjà. J'aurais pu lancer l'événement. Oh mais non, je suis 4 tours, donc on peut pas le faire. On va se mettre juste pour voir en. Alors on va enlever ça, on va se mettre en rang de recrutement plus simple pour les armées locales. Et on va peut-être recruter. On peut faire d'autres. On va commencer par recruter ça, tant pis, ça sera pas. Il y aura pas le rang de recrutement pour l'instant, on va commencer par les plus gros. 10 000 de thunes, je vais essayer d'avoir voilà ça. Il m'en faudrait donc dans 3 tours on pourra recruter ça. Et puis bah du coup je vais voir si on peut pas faire une paix. Une petite paix avec avec Lauterne, pourquoi pas, les relations s'amélioraient un petit peu déjà. Non il veut pas. Et donc je me doute qu'Exalt non plus. Ah Lauterne est passé devant toi, ils sont rang de force 1. Ah j'ai vu, c'est un petit moment déjà. Nous on va continuer notre avancée hein, avec nos trois armées ici, toujours avec pour but de finir la campagne, hein, KO ou pas KO. Ça changera pas nos plans. Faut juste qu'on laisse des provinces derrière nous qui soient fortifiées et et saines en ordre public. Et Scarogne n'est pas très saine. Hein. Pas bien loin, ça. Non. Après j'ai quand même une petite garnison. Après c'est la corruption qui fait ça. J'ai une armée ici, de toute façon cette armée ici elle est chargée uniquement de. Putain faudra qu'on mette le bâtiment de République ici. Là on est tranquille. On va ramener cette armée là pour l'instant. Donc on aura 4 armées ici, on en a une cinquième ici. Ensuite. Que tu peux faire, je peux prendre le pire à revers de mon côté, du côté de mon fort, pour leur couper l'herbe sous les pieds aussi. Ouais. Faut que tu remonteras. Ça peut être pas mal. Donc là on passe à 0. Comme ça, ils sont sur deux fronts différents. Ça. Tu vas attaquer Helmgart, Eilart et compagnie. Alors attends. Là, c'est-à-dire. Bah tu remontes sur Karak Ziflin. C'est où Karak Ziflin? Mon fort, Karak Ziflin. Ah oui. Et après tu tombes. Ah ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux me laisser la province de Eriggs? Parce que j'ai besoin d'une province pour Mrégen. Ouais, bien sûr. Je vais aller là. Ouais, pas de soucis. Fort de qui, ouais. Il faut que je me régène et là. Déjà pour commencer. Je peux pas en fait. Et j'irai à Erzig. Je régène pas mal même. Ah bon? Bah ouais, tu régènes à mort là, t'es chez moi. C'est à Wolfenburg. Ah oui. Ah oui, je régène, ouais. Ah bah oui, effectivement, ouais, donc ça va être nickel. Moi, bon, avec Arcane, je remonte à Prague pour l'instant. On régène. Je suis à 19 sur 20, j'ai une unité de Ronon. Écoute, on va la prendre. Oh, je peux la jouer vraiment Kikou. J'ai envie de la jouer Kikou cette armée. On va la jouer Kikou. Ça veut dire quoi la jouer Kikou? Bah regarde, je la joue à la Côte Vampire. C'est-à-dire que j'ai 3 Ushuapti à arc, j'ai 2 géants d'os et j'ai 2 arches des damnés. Bon, je vois pas l'intérêt, le but est de gagner, on s'en fout. Bah oui, mais du coup c'est. Oui, non, mais c'est marrant. C'est de gagner, on s'en fout. Oui, non, mais Kikou parce que je joue avec beaucoup trop d'unités de tir. Là c'est drôle. Ça marche, tu vas gagner. Bah j'espère. C'est bon, si tu gagnes. On va prendre un. Alors on va attendre parce qu'on a une autre armée qu'on pourra recruter bientôt. On va éviter de pomper des vases canotes pour l'instant, on va regarder ce qu'on peut pomper ailleurs, on va prendre ça. On peut faire pomper autre chose. Hein ? Non, rien, pardon. Tu nous as sorti une Black Salas ? Ouais. Ok. Allez, du coup, c'est bon pour moi. À toi. Allez, on y va.
Ah, bah, parfois. Ferveur de la guerre, ouais. Plus 5. Oh oui. C'est dans combien de temps? 3 tours. Voilà. Ici à côté. Et j'ai une troisième armée qui doit rester. Qui est là? On va prendre qui se lève, hein, avec l'armée de Cazador là. Ouais, Cazador? Ouais, on s'en fout, on a pas besoin d'une autre armée. Hein. Là, 3, on va les déglinguer, je pense. Ça suffit, 3, tu crois? Tu veux quand même. Ouais, vas-y, monte, t'as raison. Monte la 4. Ouais, on joue la sécurité, ouais, t'as raison. Surtout que je peux te rapporter en entour. Ouais, ouais, ouais. Qui se lève, on a le temps de la prendre, c'est une ville free. J'ai une armée qui est. J'ai une armée qui est en recrutement. Ah, elle est où? Amygdal Galb. Ok. Je pourrais la prendre en ce moment. Tu vas pouvoir me niquer ma rébellion, ça va être cool. Amygdalaim. Et franchement, je suis sûr quand même. Je suis sûr que si tu sors des murs, je suis sûr que tu la niques la rébellion. Ouais, c'est possible, ouais, j'ai vu. Mais bon, au moins. Après, j'ai envie de dire là, si tu veux déclarer la guerre à l'Empire, c'est limite le moment. Limite le moment. Alors, peut-être pas ce tour, mais le prochain. Là, tu remontes avec Trony, là, celui-là. Ah oui, j'ai bien fait, bien sûr. Tu remontes et tu les prends, ils sont... Je te laisse les Provence ou je les prends? Non, laisse-les moi, comme ça. Ok. Oh, rase-les, tu les rases et moi, je viendrai les prendre. Ouais, je sais. Tu sais quoi, je vais recruter un seigneur à Middelheim, là, dans quelques tours. Un seigneur lambda qui va être chargé d'aller recoloniser les trucs. Je vais lui faire une petite armée de merde. Ouais, pourquoi? Mais non, fais une bonne armée. Ouais, ça va être long en global en fait. Donc 125, ouais. On en passe sur du 15. Okay. My dynasty reigns supreme. By the king's command. Ça y est, ils peuvent venir, on est prêts. Ouais. On est reprêts. Oh, la mauvaise surprise de ouf, quoi. On va se mettre là. En fait, ce que je vais faire, c'est que l'armée avec laquelle je recrute, je vais pas l'économiser qui sèvent, je vais la mettre full. Puis t'as rien gagné comme thune, et puis je vais attaquer l'Empire par-dessus. Putain, mais il m'attaque où là, Yang Zana là? Peut-être avec un Weissmoon. Avec un tank à vapeur. Fils de pute. Écoute, hein, c'est pas grave. Hein. Ils vont les prendre de toute façon, les villes, donc voilà. Donc on ira les prendre. Hein. Au pire, tu les prends toi. Hein. Je m'en fous en fait de les avoir moi. Hein. Moi, il me faut une ville de par-ci par-là pour. On s'en fout de toute façon, le but c'est de les avoir. Donc, ouais, 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 moi, il me faut une par-ci par-là pour Regen, c'est tout. Hein. En plus, pas rien. Après, il y a un truc, moi je suis allié militaire avec Exoat et puis Lotherne. Donc est-ce qu'ils vont choisir de rejoindre l'Empire ou me rejoindre moi? Je sais pas. À mon avis, ils vont rejoindre l'Empire. J'ai jamais vu l'IA. Ouais. Ne sait-on jamais? Il n'y a pas Archaon et tout, hein, là, il y a Vachnar et Pity Horseman. Des fois, il n'y a plus Archaon et tout. Bah, on va pas se prendre. Hein. Ou alors, ils vont pop à un endroit où on ne s'attend pas. Non, le chaos, il pop toujours là en haut à droite. Le seul chaos qui pop pas là, c'est le chaos quand tu joues les Norse et que tu as gagné assez de points avec les totems. Tu as des 3-4 armées du chaos qui pop à droite à gauche de ton territoire. Ouais.
Mais les guerriers du chaos, ils popent toujours là. Attends, c'est... faut pas abuser non plus. Hein. On serait bien que les serviteurs ils se fassent éclater quand même, parce que bon. Oh putain, ils m'ont déclaré la guerre, les bâtards. Avec leur armée de porcs là. Écoute, je vais aller dessus. Hein. Putain, je crois qu'il y a tout pour nous faire chier. Hein, ouais, non, mais c'est pas hyper grave ça. Ça me fait juste perdre un tour. Mais je vais y aller maintenant, autrement ils vont aller. Ils ont une armée, mon gars. Ouais, je l'ai vu. Auto ou bien tu peux la jouer? Je vais la jouer auto, mais. J'ai perdu de troupes, je pense. Bon, après, tu peux te mettre quelques tours pour régène. Hein, ça... Ouais, ouais. Je crois que c'est de la crap, ouais. C'est bon, ouais. Perdre deux guerriers de Nekara, on s'en fout un peu. Voilà. Est-ce que j'ai la range? Ouais, j'ai la range pour aller attaquer là-bas en plus. Ah, et après, tu reviens sur mon fort et tu prends le pire par le. Par son ouais. Et là, ils seront débordés, on peut rien faire. Si moi j'achète l'armée au nord, comme on a dit, t'attaques par l'ouest, ils attaquent en plus par le sud, ils vont être foutus. Exactement. Genre Lemout, Wissenberg, tout ça. Après, le problème, c'est est-ce que je vais réussir à tenir Bitbali et tout, sachant qu'il y a le Exvald qui est pas loin, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il faut qu'on bouge le cul pour récupérer les. Les colonies, quoi. Submit to your king. Onward, soldiers! My dynasty. Nehekara will be mine. Faut quand même que tu restes un petit tour en auto pour. Ouais, non, mais je vais recruter. Ouais, j'ai perdu des goûts, les. Pas grand chose, mais je vais rester en auto, ouais. Ouais, faudrait jamais moins un tour et puis. Donc on va recruter ça. Et on va recruter une tête lancier, tiens. Et avec eux, on va recruter encore un comme ça. On restait même deux tours, hein, comme ça. Est-ce que je les ai boostés, les guerriers de Nekara, avec lui? Ouais. Hop. Province sécurisée, ordre public direct. La croissance, elle attendra. On va continuer à booster l'ordre public. On va prendre la garnison. Ordre public. Nickel. Mais lui, il a pris un niveau aussi. On va lui donner maître d'épée. Ok, on va rester comme tu dis à Bitbali un peu de temps. Lui, je lui donne un petit niveau. On va lui donner ça aussi. Ok. Bon. Après, rien qui t'empêche de raser les villes de. Ouais. Toujours pas de paix avec Exvald. Je vais voir tous les jours. Hein. Écoute, on aura essayé. Hop. Donc, du coup, après au nord, qu'est-ce qu'on avait à faire? J'avais à remettre lui du coup. On va foutre en mode embuscade. Ça peut être bien. Ah merde! Je vais te faire comme ça. Tu vas s'ouvrir qui? Ouais, mais je pourrais pas l'avoir ce sourcil. Prochain tour. Ouais. Si j'ai pas fait de la merde, peut-être. Ouais, ouais, prochain tour. Prochain tour, on a elle. Et puis après, tu veux que je mette en mode embuscade, c'est ça? Ouais, je vais me mettre en mode embuscade. Moi, je vais me mettre en mode embuscade en haut. Toi, tu vas la tirer avec ton armée. Ah bah, moi, je peux me mettre en mode embuscade devant Volsgrad. Exactement. Non, reste à Volsgrad, tu te mets dedans. Et moi, je me fous en mode embûche, si je peux. Bon, on se met tous en mode embûche. On se met tous sous en mode embûche à Volgrad. Juste à les herbes du chaos là. Allez, à toi. Aussi contre les herbes, on va les jouer les batailles contre les herbes. Ouais, hormis s'il y a 4, enfin on va voir combien ça fait, mais. Ouais, ça va être du costaud quand même. Scaron, il va y avoir une rébellion, mais j'ai l'armée là. On dirait qu'il y a du costaud quand même. Ok, ici on va pouvoir recruter le prochain tour. Alors, ça se passe, ok.
Zamundi, tu restes bien ici. Ah, il faut que je regarde aussi qu'il reste bien là. Putain, mais l'embuscade là ? Ouais. Ils ont pas repéré, je vois pas le petit crâne. Bah ouais, non, ils m'ont bien repéré. Ouais. Et tu sais que ça bug, hein, je suis à 26%, il veut pas me mettre en mode embuscade, cette espèce de connard. Bizarre. T'es sûr qu'avec les nains, c'est pas 30 ? Attends. Non, c'est 25%. Bon. Aucune idée. Il veut pas, hein, c'est incroyable. Bah écoute, parce que t'es sur le champ de. Bah oui, t'es sur le champ de vision des autres, non ? Peut-être parce qu'ils me voient en fait. Ouais, bah oui. Ah, effectivement, ça a l'air d'être des grosses armées là, des hommes bêtes. Ouais, ouais, justement, c'est ce que je disais. Avec des géants et tout. Ouais. Mais tu vois, c'est des armées différentes qui pop parce qu'il y a que deux Zards et deux armées ouais. Du chaos classique, quoi. Écoute, on verra bien. Bah mets-toi à portée de toute façon avec tes 4 armées. Là t'es pas à portée avec la Grimmdale. Hein. Tout à fait. Avec Cazador c'est bon, hein. Ça fait 4 armées contre 3. Ah, tu veux que je monte attaquer l'Empire ? Avec qui ? Avec Tronny sur la Camille d'Anaheim. Ouais. Va éclater Salzenburg. Salzemund. Ils ont rejoint du coup les autres. Ah mais attends, je suis rejoint par Exoat là. Ah ouais, c'est beau ça. Il y en a un des deux qui a... Oh, ça veut dire... Est-ce que le TRN et Exoat sont en guerre l'un contre l'autre? Non, je pense pas. Attends, en guerre contre qui maintenant? Oh regarde, si t'arrives à faire déclarer la guerre entre l'OTRN et Exoat, ce serait tellement bon. Regarde. Attends, je vais déjà attaquer Salzemund. Oh putain, mais il y a du monde à Salzemund. Putain, je vais faire quelques tours, hein. Ouais, fais 2-3 tours. Ah, je te jure. Attends, maintenant je suis en guerre contre l'OTRN. Ouais, mais l'OTRN, ça va aller. Ils sont occupés. Ouais, le Bretonnie, ça va aller aussi. Ouais. Attends. Tu sais qu'il m'aime encore, hein. Je suis encore ami de confiance avec l'OTRN. tu peux leur déclarer la paix de suite là ? J'arrive pas. Ouais. Ça ressemble tellement à rien. Bon bah voilà, mais n'empêche que comme ça j'ai fait éclater les. T'as fait éclater les lances, ouais. Putain de ta mère. De quoi ? J'ai plus de thunes. Comment ça t'as plus de thunes ? Bah, j'ai fait péter l'accord commercial avec le terme, du coup je suis passé à moins et quelques. Écoute, on verra. Pour l'instant, je suis à 17 000, j'en crois. Ouais, tu verras après. Je vais aller choper le moot. Ah oui, le moot, ouais. Enfin. Il est tombé. Et le mec, il avait laissé cette armée-là juste pour le... Pour le... Dès qu'il est... Pour... Quand on déclare la guerre à l'Empire, ils prennent sa ville. Ouais, je te jure. Du coup, je commerce avec qui, du coup? Ah, plus avec beaucoup de monde, malheureusement. Ah, tu commerces toujours avec le meilleur. Dis-toi ça. Ouais, c'est ça. Avec The Hat, là. Tu sais que je commerce qu'avec toi, moi. Ah ouais. Ouais, je te jure. Tu me rapportes 1275, quand même. Ok. Bah oui, parce que tous mes partenaires commerciaux, c'était l'Empire, l'Otern, l'Exoalt. Ils sont tous pétés. Moi, je pense que je vais devoir disbander une armée tôt ou tard, parce que là, c'est un peu cher, tu vois. On va voir ce qu'ils vont faire. Je suis à moins 2000 par tour. On va voir des fois en prenant une ville. Par contre, je crains que tout ce qui est vers Montfort, Caraxifine et compagnie, ça tombe. Ouh, il y a une grosse armée qui arrive. T'inquiète pas, on va aller l'éclater.
Bon, j'ai une armée qui a... Tu veux que je prenne ta labeille ou bien que je... Que je... Ouais, non, prends-la, prends-la, on s'en fout, c'est liqui... on s'en fout. Alors. On va voir ça. Bon, ouais, pas grand-chose. Bon, on va attaquer les hommes bêtes, hein. Ah non, ils vont peut-être nous attaquer, les hommes bêtes, hein. Ah ouais. Ah non, ils ont pas joué, c'était le gars du chaos. Ouais. Mais là, faut vite que tu remontes en direction de Karak-Zikin avec tes armées qui sont à l'île-Bali. Là, je vais en avoir besoin, par contre. Ouais. Là, faut prendre de marche. Le problème, c'est qu'il faut que je déclare la guerre aux elfes sylvains. Mais non, pas la peine, tu traverses un territoire, on s'en bat. Tu rush au travers. Tu rush au travers. Putain, j'aurais dû te faire une alliance avec toi, quoi. T'aurais dû déclarer toi la guerre à l'Empire. J'aurais pas été en guerre contre Exalt. Il t'aurait rejoint. Oula, ça pue là. Je perds des grosses pénalités diplomatiques. Va falloir que tu m'aides au cas où. Ça. À Razetra. Razetra. Il y a Krodgar qui vient de mettre un terme au pacte dans la direction et pareil pour Kalida. Ok, bon, je vais me mettre avec Torgul un rap. Ouais. Moi je suis en paix avec les deux. Donc, si l'IA est pas trop. Ouais, non, là on peut la faire en auto. Hein. Là, ouais, une armée contre 5. Non, une armée contre 4. Là on va rien perdre du tout. Hein. Pas grand chose. On a vu comment ça a fait avant. Donc, bon. Ça. Ah, quand même, hein! On a même pas perdu une unité, je crois. écoute, je vais prendre les vases canopes. On a perdu 66 mecs. Ah, ils sont tombés dans l'embuscade du coup, non? Non, là c'est eux qui m'attaquent et là je suis dans la merde. Comment ça, c'est eux qui t'attaquent? On va la jouer, je suis pris en embuscade. Ah, c'est génial ça! Pour finir l'épisode. Ah, c'est top. Ça fait chier pour l'artillerie quand même. J'espère qu'ils m'attaquent avec leur armée de merde. Mec, il est niveau 40 déjà. Ah, je sais, merci. Ah, puis ces zombies, ils pop méga proche en plus. Ah, j'adore. Donne-moi les unités d'archerie dès que tu mets pause direct. Dès qu'on a le truc, ouais, tu... Bon, je vais mettre pause déjà. C'est ça, tu peux pas mettre pause pour commencer là. Ah, tu peux pas mettre pause là. Non, pas là. Regarde comme il est beau. Ah, magnifique, hein. Oh putain, il prend. Les mecs, ils sont à côté, quoi. Ah, c'est les hommes bêtes, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fait dire. C'est vrai que ça. Bon, par contre, ils ont vraiment fait une embuscade de merde, hein. Ouais, j'avoue, c'est pas terrible. Ça va, c'est bon, fait ça, bon. Attends, tu m'as rien donné, là. Oh, mais si, ah merde. Non. Tiens. Ah. Attends, bouge pas. Ouais, bouge pas, je fais un gros... Refile moi le Giro, c'est... Ouais, je te refile, tiens. C'est... Le Giro, il va y aller sur le géant. Quoi, c'est bon. Quelque chose me dit que ça va fondre. Ouais, ça c'est un bête, hein. J'ai déjà protégé ton artillerie. Ça c'est déjà dit, c'est une super pour gagner.
Bon, finalement, je crois que ça va aller. Rien. Comme des Minotaurs, faut faire attention. Ouais, je vais mettre les canons dessus. Ouais, j'ai envie de les tirer dessus aussi. Je crois que ça va. Ouais, ils ont des Destigants aussi qui arrivent. Il y a un géant aussi au milieu. Là, avec tout ce qui arrive là. On va faire des méga dégâts tout à l'heure. Ouais. D'armure, tes canons à flamme, ils vont se faire péter. T'arrives à foutre un canon sur le géant ? Ouais. Vas-y, accélère. Là, ils se foutent en gros tas de merde. Ouais, ils sont en gros tas, bah c'est ce que je fais, mais. J'ai tiré sur le gros tas là. Allez, ciao. Il y a un deuxième géant, je focus le deuxième géant, il va se prendre 2-3 tirs. Allez, ciao. Tu sais quoi, j'ai même pas. On va quand même les tirer encore. Et j'ai même pas perdu mes tueurs. Et t'as même pas perdu les tueurs, ouais. Bah accélère parce que autrement il y a le tir allié, enfin il y a le tir allié qui va. Ouais. J'ai juste chopé les tueurs quand même, ça me fait plaisir. Les géants. Moi j'aurais même pété les géants aussi, là j'ai mis les 3 canons dessus mais ils ont plus trop de range. Moi je suis que le giron. Ah peut-être qu'il va. Il va peut-être tomber, ouais. Ouais, il est tombé. Allez, il reste 200 PV putain. Oh, il est retombé. Un PV il lui reste. Ouais, c'est bon. Allez go. Yeah. Oh, les canons à flamme, j'étais sûr qu'ils allaient. Ah bah ils s'en fait plaisir. Ça croustille hein. Ouais. Ah ouais. Grombrinda, il a attaqué le géant, il a pas pris trop cher. Non. Il est anti-large Grombrinda? Non du tout. C'est un support dalle, pur et dur. Okay. Ouais, il a l'attaque éclair, gros mot. Il est précieux. D'accord. Ils sont tous morts ou pas? Putain, il reste quoi? Comme chez maman. Allez, ciao. Oh bah on va pouvoir s'arrêter sur cette belle victoire. On va s'arrêter sur cette petite victoire, effectivement, petit Martin. On peut finir ton tour hein, quand même. Bah enfin, on va arriver au début de mon tour, je veux dire. On s'arrête au début du tour. Ouais. Bon, on peut en faire un, encore un petit. Hein. Un petit tour chacun. Ouais, encore un petit tour chacun. Bah on s'arrêtera à la fin du mien, parce que. On va finir les hommes bêtes là. En fait, je vais les finir moi tout seul. Je prends juste un niveau avec lui. On va prendre ressuscité. Alors ça, c'est vraiment de la bombe. Bon, putain, on va la faire. Hein. Oh ouais. Ciao mes géants. Putain, mes géants, ils sont en gold. Ça serait bien que le deuxième passe en gold aussi. Non. Allez, va scan up. Je me remets là, je me remets en mode embuscade. Ouais. Hop. Ah bah je peux pas. Moi non plus, tu vois, je peux pas, je suis à 38% pourtant.
Ouais, c'est parce que je pense qu'il y a l'armée qui... Vous ne pouvez pas adopter si vous êtes dans le champ de vision d'une autre faction. Alors attends, je vais me retourner. Hop. Et là, je peux pas non plus. Moi, ça me mettait pas ça avant. Ah, mais je suis dans le champ de vision des... Oh putain, mais ils ont 4 seigneurs, les KO, là. De quoi? Ils ont 4 seigneurs, le KO. Ouais, j'ai vu. Est-ce qu'ils peuvent y être en prochain tour? Non, j'ai pas l'impression qu'ils puissent y être. Écoute, au cas où, je vais... Il y a 3 armées, une petite garnison... Ouais, il y a ton 4ème armée derrière en plus, donc ça devrait aller. J'ai ma 3ème armée qui spawn derrière, donc je crois. Ça devrait aller. Je vais lui prendre du coup... On va lui prendre un périssable. C'est pas trop mal. Ok, du coup... Allez. Tu la joues celle-là? T'as une arme à proximité ou pas? Bah, dès que le siège, moi je l'attaque. Puis je la raserai, puis tu la reprends. Ouais. T'as une arme à côté là? Ouais. Ok, on fait ça, ouais. Bah non, tu la prends direct, y a pas de, j'ai pas le temps de reconnaître là. Et de la prendre? Ouais, prends-la. Est-ce qu'ils ont la range? Putain, attends, ils ont la range pour la middle lane. Je me demande si j'ai pas la middle lane, mais je te la laisse pas. Ouais, non, il y a middle lane. Hein. Je pense que je vais aller à middle lane. Middle lane. Hein. Quoique. Ouais, si, je vais à middle lane. On va défendre middle lane. Ouais. Et toi, je te laisse les prendre là. Ok. Ensuite, ici, ça se régène. Écoute, je vais me mettre en position pour l'instant. Dans ton armée avec le roi. Hein? C'est une tarif parfaite avec celle qui a mis de name. Il a 18 sur 20. Ah oui, je peux voir. Deux unités de merde, on s'en fout, juste pour faire du nombre. Ouais. Il y a une Kara ou je sais pas quelle merde. J'ai pris les renoms, les yeux du désert. Ouais. Encore, ouais. Encore des tirs, tu me diras. Et des anti-larges de renom aussi. J'en ai pas beaucoup d'anti-larges donc. Peut-être pas mal. Et à middle lane, il me fait voir, je peux passer la croissance et ouais, je vais passer l'ordre public encore. Ouais, on va tout booster. Ok. Au pire, si je repousse l'armée ici, s'ils viennent m'attaquer que je les repousse, prochain tour, je viens t'aider à Salzenburg. Comme ça, on fait du 2 contre 1. Là, de toute façon, ça va être à toi. On va se faire grosse fight contre le chaos. Je suis en train de regarder ce que j'aurais d'autre à faire éventuellement. Luchini ici on est tranquille. Scaron donc j'ai pas tardé à avoir une rébellion. Pour l'instant je reste comme ça. J'ai pas d'armée à proximité, ni de Lotern, ni Xolt. Mazamundi a pris la mer. Oh. Ah mais tu me diras il a pris la mer peut-être pour aller éclater l'Empire. Pas pour m'éclater moi. Je vais voir si tu peux faire une paix avec lui du coup. Maintenant que t'as. Ouais, tu vois, ça augmente beaucoup nos relations avec. Ouais. Et je regarde juste Exalt quand même au cas où. Ouais. Ouais, ils veulent pas. Bon, écoute, à toi. Alors on a dit qu'on attaquait Ergig. Ah j'ai pas la range. Chiotte. Ah. Je vais mettre le tunnel puis je vais traverser comme ça. Puis... Je vais camper. Ici toi tu vas te rapprocher là. Time to slay. Let us be about this.
je me monte dans mon embûche. Hein. Seek out Doom. Ouais, nickel. Une belle petite bataille à 4 contre 4. Déjà qu'on a ramé à 2 contre 2. Alors là. Ah, c'est Yvian là. Ça va être carnage. Pour s'arrêter sur ce tour. Non, on vient de commencer. T'es sûr? Ah oui, mon Martin. Non, t'as raison, ça fait 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Donc, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Du coup, ben, on aura fait de belles petites batailles contre les Zambettes. On aura presque fini de repousser le chaos. On sera toujours à 125 sur 140, mais bon, ça... Ah, peut-être à 126. Merci, Martin. Ah, ah, merci, Martin. On aura avancé d'une ville à 126, mais on est en train de se mettre bien pour finir le tout. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit like sur cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Je vous souhaite à tous une excellente journée, Martin également, et à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Et la fin, j'espère, on espère.